Attends, mais vous savez qu'ils font bien chier là. Pour l'instant, ça joue, les gars. Pour l'instant, ça joue. Oh là là, c'est mou. Ok, j'ai rien dit. Oh, elle lui a foncé dessus, frérot. Même elle voulait le manger, lui. T'as un flanking d'ouf, j'ai mis la musique pour toi. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez la forme. C'est ma première vidéo depuis mes vacances. Voilà, ceux qui savent pas, je suis parti au festival le Hellfest, du coup j'ai fait les deux week-ends. Donc je suis parti en tout 12 jours. Je suis totalement lessivé, ça se voit, j'ai bronzé, j'ai une tête de cul. Bon voilà, on voulait pas, hein, YouTube, hein, j'ai déjà eu les foudres des frérots de Twitch, hein, voilà. D'ailleurs ils vous font tous une dédicace, voilà, ils vous disent, j'arrive pas à parler. Voilà, ils vous font des coucous. depuis le chat Twitch, Gros Désir l'affichera à l'écran. Alors, on est parti pour une analyse de Fer 4, du coup, on va analyser assez balle la Caitlyn. Voilà, qui joue Caitlyn létalité. Et elle est Arsuk, Fer 3, Fer 4, bref, voilà. Beaucoup d'allers-retours. Par contre, voilà, je trouvais la game intéressante parce que je vous spoil pas YouTube, mais il y a eu des KDA assez incroyables. On a vu un petit peu l'historique tout à l'heure avec les frérots de Twitch. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer sur Twitch, hein, c'est le plus important. C'est le meilleur moment qu'on passe, c'est en live. YouTube c'est bien, les gars, mais Twitch c'est mieux. Hein. En live, on est mieux. Bref, du coup, on y va. Comme d'hab, le jeu du MVP qui va être MVP de cette game. Donc, je vous rappelle, c'est pas celui qui encule la game, c'est pas celui qui fait le meilleur KDA, le meilleur de dégâts, on s'en fout. Celui qui va le faire nous plus rire en fait, celui qui va nous régaler, tu vois. Vraiment le beau jeu du Fer 4, quoi. Est-ce que ça va être Lolo Ponoche sur sa Irelia? Ça va être Kirito 06 sur son Amumu Jungle? Est-ce que ça va être du coup la Caitlyn assez balle? Est-ce que ça va être Run It Down Mid Pussy? Ok, j'avais pas capté son pseudo en fait, je viens de le lire ultra vite et ouais, c'est bizarre. Est-ce que ça va être Arc Gecko sur sa Zira? Est-ce que ça va être Tekojo Winston sur son Sion? Bla de Lezo sur son Mordekaiser sur Jungle? Allez, 420-420 sur sa Zoé, Dorgul sur Balzahar, ou bien Marcolans 24 sur sa Senna. D'ailleurs, on pouvait faire un truc sympa, tiens. Je vais filer des photos que j'ai fait un petit peu au festival, du coup. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu, je sais, vous en avez rien à foutre, la plupart d'entre vous. C'est quand même rigolo. Gros Désir vous mettra des photos de moi à l'écran au festival, défiler ultra vite, là, comme les vieux montages photos dégueulasses. Comme ça, vous pouvez voir un petit aperçu de ce que j'ai fait et tout. Voilà, des photos de moi au soleil, tout ça. Tu sais, en mode un peu influenceur, frérot, tu vois, les trucs un peu cringe. C'est bien, on fera ça. Allez, let's go, on y va. On dézoome, caméra dirigée, bien évidemment. Et comme d'hab, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui va rester à la base, comme d'hab, le petit rituel du Fer 4. Normalement, il y a un mec qui sort à 1 minute 20 minimum. C'est comme ça. Personne ne reste à la base, sinon je mange une couille, frérot, farcie de carottes. Il y a toujours un mec qui reste à la base. Le Sion va rester. Le Sion va rester jusqu'à 1 minute 20. C'est impossible d'en faire 4. Il y a un mec qui sort de. Il n'y a pas un mec dans la base. C'est impossible. Il y a toujours un mec qui dort. Il sort à 1-20. Bon, attends, il sortit à 1 minute, les gars. Il sortit à 1 minute, c'est pas les couilles. C'est pareil, c'est pareil. Que tu mens. C'est-à-dire que, regarde. Tu mens. Ok, du coup, il joue Caitlyn mid en fait, j'avais pas capté. Il joue Caitlyn mid. Après, manger une couille farcie de carottes, franchement ça me dérange pas, notre rôle, enfin, je dis ça en mode c'est dégueu, je trouve c'est bon. Putain. Ok, pas mal. Oh, les invades. Autant se trouver sur le serveur savoir coréen, frérot. Invade niveau 1. Attends, mais les gars, la Zira c'est Sardoche, il est en full invade. Ok. Attends, mais vous savez qu'ils font bien chier là. Ah non, pas ouf en vrai. Ok, la Caitlyn mid incroyable. La Irina, je la sens pas, les gars. Je sais pas pourquoi les réglages là sont pas. OMG. Ok, passage niveau 2. Pas d'agression. Oula, baissez-vous. Ok, Zira, très belle agression de la Zira. Mazar qui prend cher, Mazar peut-être. Le flashing auto-attaque inaï. Oh, c'est mort. Il meurt. Un HP, il meurt. Ok, incroyable, c'est bien trade ça. Mort de le gank. Allez, on met un petit ralenti pour voir un peu les skillshots, tout ça. C'est parti. Ça touche. Non mais, non mais. Ok, nice, bon gang ça. Le gang qui est toujours. Trop de sbires en fait, je peux pas. Hein. Pour l'instant ça joue, les gars, hein. Pour l'instant ça joue. Hein. Les gars, je crois que les Raylers, il est en first time. Hein. Genre il met le stun, mais il fait rien d'autre. Genre il aurait pu mettre des autos, tu vois. Je crois qu'il a un peu trop peur de Sion quand même. Hein. Sion, il me semble, ça peut pas faire grand chose contre les Raylers au début. Hein. Le stun qui touche. Oula. Ok. Elle va le tuer. Elle va le tuer, les gars, je le sens. Oh non, le son va reset. Tue-le, grid. Tu grid, frérot, t'es un Fer 4. Oh là là, c'est mou. Allez, on se casse. Attends, un seul kill à 6 minutes, mais c'est pas du fer. On avance un peu là. Ça va pas du tout, les gars. Là. Ok, j'ai rien dit. Fais voir un peu là. Ça donne, les gars, là. Ça donne. Ok. Petit but de la Zira. Ok, c'est là qui rend le trade avec Ignite, c'est beau. Hein. Très bien joué de la part d'Asena. Bon trade, le turn. Malzar qui avance, le heal de la Zeri. Ok. Oh, en vrai, là, c'est là pas mal. Hein. Bien joué, là. Yasoe, les gars. Yasoe, c'est fini. La Zoe qui va sûrement toucher ses skill shots. La bubule. Le Q-spell.
Comment Mordekaiser est niveau 4? Qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le mordeux? C'est un fou furieux! Il est l'heure de dire que c'est le retour des vidéos faire 4. 1, 2, 3, on y va! Oh! Dommage! Yarina qui est morte! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est retournée dans le suspel, les gars! Les gars, la Irelia était bien en fait, mais elle est retournée dans le cuspel de Sion avec son cuspel. Oh mon dieu. Oula, la Kate elle a fait un petit E bizarre. Oh mon dieu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas vu ça. Genre là, les gars, le Sion ne meurt pas avec 400 HP sans ulti ici. Déjà, il a fait le ninja avec sa bandelette, frérot. Déjà, je sais quoi mettre. Voilà. Ça, c'est l'avantage. Tu vois, il faire 4 items à faire des films. Frérot, il a mis une bandelette. Il s'est cru pour un ninja, le frérot. Je suis mort. Oh là là, le Sion il s'en va quoi. Y'a pas eu une seule auto, y'a rien eu frérot, pas d'ulti, la MU. Il avait pas envie de prendre ce kill, il avait pas envie. Ok, au top. Ok. Incroyable, combat de titan. Pour l'instant, Irina joue bien. Elle fait ce qu'il faut faire. Faut dodge. Oh. Attends, mais c'est. Non, mais frérot, mais il est incroyable ce fight. Oh là là, le Sion qui gagne malgré l'autre play qu'elle lui a mis. Hein. Elle a quand même dodge son ulti, flash out son Q-spell. Mais le Sion a été meilleur. Oula, Zira a mis un skillshot chez vous. Oh, ce qu'elle prend. Ah ouais. Malzahar, c'est pas fun quand même. Hein. Ok, la Zira ping le heal de la Zeri. Hein, après avoir loupé tous ses sorts. Ok, incroyable. Irelia. Non, ne va pas. Elle va mourir quand même. Ah, ça va. Elle est morte, non, là. Par-toi, frérot, par-toi. Pourquoi c'est pas barré? Elle aurait pu se barrer, quand même. Ok. Le Sion qui proxy. Ok. Après, elle a deux niveaux de retard, là, c'est mort, hein. Il la gagne avec des autos, là. Quoique, non, même pas. Oh, si. Il a rush physique. Oh, mon Dieu. Oh, elle lui a foncé dessus, frérot. Même elle, elle voulait le manger, l'ulti. La Zira joue plus, les gars. Elle joue plus, la Zira. Elle est tiltée. Regardez, elle joue plus. Elle est en train d'écrire là. Les gars, on va faire un jeu. On essaie de deviner si écrit la Zira, ok? Déjà que tout à l'heure, elle a spamping la Zeri son heal. Hein. 100% elle écrit une dinguerie là. 100%. C'est honteux, Zeri, tu joues beaucoup trop safe. On aurait pu gagner ce trace si tu me follow. Après, les gars, je vous troll là. Si je dois faire 4, elle écrit rien du tout. Elle est juste allée chier. Elle revient. Le frérot, il est sur le drone là, sur Wild Rift. Il fait deux games à la fois. Non, y'a rien du tout là. Ok, top lane. Oh, incroyable! Pendant ce temps, la Zoé directement. Zeri qui se colle un peu, hein. Ah ouais. Ok, Abubu. Ok, il turn ici. C'est beau. Mets ton ulti, par pitié. Ok, pas besoin. Le Abubu me stresse, les gars. Il a son R. Ok. Vas-y, c'est bien, continue. Et pixel. C'est bien.
C'est bien ça. Bon, Iridia, bien évidemment. Je pense que c'est terminé. Elle vient de flash là. Allez, Iridia, c'est fini là. Là, c'est fini, hein. On l'a trop plus là. Malzark est très bien dans la game aussi. Hein. Amumu aussi, il est super bien dans la game, hein. J'avais pas vu. Hein. 10 700 gold, il est tellement big le Amumu. Niveau 14. Azoa, il fait plus de dégâts, hein. C'est fini. Hein. Il y va le Amumu, il y va. Il a raison, il est big. Gary là. Ah, il prend trop de dégâts. Il y a trop d'anti-tank, il y a Malzark et Mordeux. Le Amumu, il peut pas carry. Après, il a pas fait de RM aussi, il abuse. 3 AP, il fait Tabi et côté pineuse. Ok, Mumu. La bandette est bizarre. Ok, heureusement qu'il est tanky. Après, Mordeux est en train de le démonter, là. Mordeux, il le démonte maintenant, ça y est. Hein. Il a un bon stuff anti-tank, le Mordeux, là. Ah, ça y est, il va carry, le frérot. Kaitlyn qui va au cac, c'est pas ouf. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini, le Mordeux, il va 1v9 la game, en fait. Dommage parce que MMU a fait une meilleure game, je trouve, globalement. Mais bah, le pick Mordeux est très fort à Baello, quoi. Ziri aussi, c'est pareil, ça sert à rien dans ce Baello. Ok, le trap. Ok. Oh, Zoe qui touche un spell. Le trap. Ah, parce que là, Malzar, bah, il va l'ulti, quoi. Bah, pas besoin. En fait, la Kate n'utilise pas sa portée. Pendant ce temps, le titan au top. Mordeux. Il ne mourra plus, je pense. Hein. Il est beaucoup trop tanky maintenant. Là, il va ulti en fait. Et voilà, il fait ce qu'il veut. Là, il va sous tour. Hein. Il va la die. Hein. Oula. Oula. Oula là. Ok, ça va. Il la dive pas du coup. Mais c'est fini. Là, il peut plus avancer. Hein. On va regarder le dernier fight. Hein. Oh, le flanking! Les gars, c'est le moment. Le moment que vous entendez tous, les gars. Le flanking de Jamumu qui va comeback la game. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! T'as un flanking de ouf, j'ai mis la musique pour toi! Il s'est de ma gueule, lui, il est sérieux ou quoi? Mon film! Oh mon dieu, ce qu'elle a pris, les gars. Ah, j'ai compris, Amumu fait ça pour avoir un meilleur film. Il va y aller tout seul. Regardez, regardez. Vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? La sauver. Oh, la montée. Vas-y! Vas-y! Bats-toi! Il a pas réussi, les gars. Sage. Oh, c'est gros avec la musique! J'ai pas fait exprès, les gars. C'est incroyable. La musique a cut au parfait timing, genre. Oh, c'est incroyable! Quelle fin de vidéo? Non mais incroyable. Non mais en vrai la game était fun, il y a eu quelques moves sympas. Zyra était toxique. Iridia a int au bout de 5 kills. Après il y a eu quelques moves rigolos. Les flashs et tout, c'était sympa. Pour le coup c'était sympa. On a bien rigolé. Très sympa. Pour la reprise voilà, du DAF tout simplement. Après ces petits 14 jours d'absence en stream. Pour le coup ça m'est bien. C'est pourtant qu'on n'avait pas fait de visite de Faircat la dernière, date de au moins un mois et demi je crois. J'avais regardé quand j'étais là-bas. Il me semble que ça date de un petit moment ouais. Bah ça date de un mois ouais. Le dernier que j'ai fait c'était sur un Lee Sin le 21 mai. Ah ouais, carrément, ça fait un mois et 10 jours, quoi. Donc YouTube va être content. Faut un peu les dégâts, ouais. Les dégâts, c'est pas mal, ça. Les gens veulent savoir. Ok, donc au final, le son est first avec 35 000. Bon, logique. Au niveau des dégâts, on n'a pas grand-chose, hein, cette game. Hein. Bon, Zoé, forcément, on s'y attendait. Iridia, je m'attendais un peu plus, parce qu'elle avait quand même BRK, mais bon, après, elle était, quoi. Mordeux, je m'attendais à plus aussi. Il a quand même beaucoup de cibles à taper, là, le Mordeux. Iridia, Mumu, il a son ulti, il peut vraiment faire pas mal de dégâts. Senna a très peu aussi, d'ailleurs, je m'attendais à plus. Le Sion, en vrai, pour le coup, je pense qu'il était plus haut elo que le reste de la game. Le Sion était, ouais, le Sion était pour le coup, bien meilleur que les autres, je trouve. Bon, mais voilà. Bon, bah, YouTube, si vous voyez ça, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'hab. Et j'espère que le retour des visites de Faircat vous font plaisir. Et si vous avez, voilà, des idées de pics à jouer ou quoi, ou des faire 4 à analyser, n'hésitez pas à m'envoyer des MP sur Insta, Twitter ou quoi, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux. Bien sûr, je le
réponds pas à tout le monde, je peux pas répondre à tout le monde, mais dites-vous que je regarde quasi tous les messages. Donc même si vous ne voulez pas, je peux vous lire. Et il y a moyen que j'analyse quand même quelqu'un que vous m'avez envoyé, quoi. Voilà. Ah, bien sûr, ne me spammez pas de messages, hein. Juste un petit, voilà, un petit pseudo comme ça, ça me suffit. Et comme ça, on peut analyser ça, voilà. Pouce bleu YouTube, à la prochaine, c'était Stepou. Ciao, ciao.